Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans le 7e épisode du Magical Mystery Cube. J'ai construit la petite élévation qui va bien au-dessus de la salle des lasers. Et ici, je voudrais mettre dans le piédestal là-dedans. Je pense qu'on peut mettre des... Oh! Tombe pas! Faut montrer. On pourrait mettre des batteries tout le tour et un émetteur. Et on pourrait peut-être mettre des téléporteurs pour monter, brancher des trucs, etc. On pourrait mettre une sorte de tesseract, j'ai oublié le nom, dimensional transceiver. Là. Donc j'ai le droit de crafter encore deux moulins, puisqu'on en a deux sur le mineur que je vais mettre là. Et après on alimentera le mineur à distance, ça sera plus simple. Et je voudrais que ça alimente les machines de la cuisine des abeilles. Ouais, c'est faisable. Parce que comme elles sont au plus haut qu'elles peuvent être, c'est-à-dire à 251, on a quand même 480 de power, 480 joules. Je ne sais plus exactement, c'est 2,5 fois, enfin c'est encore un truc à la noix, pour savoir combien ça fait en RF. C'est pas gigantesque, mais ça va faire quand même... Bon, il n'y en aura que 9, parce que sinon c'est pas... Si j'en mets 10, on a le droit à 10, mais si j'en mets 10, du coup, c'est pas symétrique. Alors que là, j'aimais bien comment ça faisait. Bon, faut mettre des câbles de courant qui vont passer au milieu, donc se brancher à la batterie. Voilà. Bon, je trouve ça rigolo comme ça. Le problème, c'est que les lumières, je voulais remettre au début autour, mais en fait, on va pas les voir quand on est à plus de 64 blocs. Elles disparaissent. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va crafter pas mal de trucs. Il me faut des téléporteurs, il me faut encore ça. Et pour crafter de manière simple. Je vois qu'une solution, c'est avancer un peu, peut-être passer au tiers 2 de Aether pour que ça aille plus vite. Plus vite, plus vite. Il faut du vis aussi, mais ça on verra plus tard. Il faut surtout que ça aille plus vite. J'arrive plus à parler, je suis comme Chunchi, j'étais contaminé. Il faut que ça aille plus vite. Voilà. Donc déjà deux moulins de plus. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il manque encore de l'or? J'en ai de l'or. Ouais, j'en ai. Pom pom. Ok, 3, 4, ça fait... 2. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, ça me fait les deux moulins. Parfait. Et maintenant... Ah, oh, mais il met pas juste ce qui manque, c'est énervant. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Et ça? Non, ça là? Oh, je sais plus. Ouais, c'est ça, et des machins verts. 1 et 2. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. Ok, j'ai donc les 10, les 3 qui manquaient. Je récupérais celui qui est sur le mineur. Ensuite, il va falloir faire des batteries. Alors, j'ai mis là-haut des... pas des octadites, mais les autres, là. Les double layers, ça en fait... Hop, 15, 16, c'est pas mal, ça fait 4 batteries, on peut commencer avec ça peut-être. Peut-être, c'est pas sûr, mais déjà, c'est un bon départ. Après on va voir comment on peut placer les câbles, parce qu'on peut les mettre que devant, alors on va avoir des câbles volants. C'est pas terrible, on fera ce qu'on peut. Hein. Peut-être que de loin on les verra pas. Alors les capacitors... Capacitor. Alors le mieux ça serait de pouvoir les mettre, mais là il me faut le tir supérieur parce que c'est 12 000 AV, c'est beaucoup. Mais comme j'en ai quand même pas mal, je me dis que si je mets ça là, 1, 2, 3, 4, ça en fait 4. Ah zut, j'ai plus de modèle maintenant. Oh. Mais pour en faire plus, eh ben on va voir l'extracteur. Déjà. On peut peut-être le passer au niveau 2. Des émeraudes. Un bloc de lapis. Facile. Quoique, j'en ai pas des tonnes. Oh là là, mais tout est plein déjà. Hop. Non, toi, mets-toi là déjà. Essaye de te ranger correctement. Bah, il y en avait déjà là. Bon, c'est pas grave. Hop. Un bloc de lapis. On va le ranger alors. Okay.
Ensuite, hey. Deux émeraudes, un bloc de glowstone. C'est quatre, hein. Je crois bien que c'est quatre. Et pas besoin de compresseur. Pourquoi ça s'est venu là? Je sais pas. Un bloc de glowstone, un bloc de lapis. Deux émeraudes. Ah, des machins verts. J'en avais mis 25 or là-haut, donc ils devaient arriver depuis très très longtemps. 28 même, voilà. Parfait. Bodo bodo, bodo bodo. 1, 2, 3, 4, 5. Et deux émeraudes. Déjà, maintenant, nous avons un extracteur qui peut extraire des choses beaucoup plus importantes. Ether extracteur, on va enlever celui-là 2 secondes. Est-ce que celui-là, je peux le fondre? Ouais. Parfait. Par contre, ça va pas plus vite. Hein. Mais par contre, ça peut fondre des trucs plus gros. La limite est à 32 000 maintenant. Comme on a 50%, normalement, c'est 65 000. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais continuer à upgrader tout ça. L'avantage, c'est que je peux les refondre dans le truc pour récupérer les AV qui sont liés. On va plutôt se faire AE d'heure. Voilà. Et plus besoin de mettre arrobas maintenant. AE d'heure. L'infuseur, ça permettra de faire ceux de niveau 4. On verra à la fin. On a fait l'extracteur. Manipulateur, ouais. Non. Condenseur. Oui, condenseur, c'est pour condenser, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il faut deux. Ah, il faut faire un diamant infusé. One diamond. Dankeschön. Pourquoi j'en ai pris deux? J'en ai pris qu'un. J'ai fait un. C'est incroyable. Eh ben, il va en faire deux. Oula, ça va être long. Bon, bah, j'ai cru que j'étais en train d'enregistrer, mais non. Alors, je venais juste de faire un conteneur 2 tiers 2. Ça tombait bien parce que l'autre était vide. Mais ça c'est très très long, c'est une punition. Bouh. Bon, un petit épisode. Bon, on va essayer de booster les choses, on va mettre un deuxième extracteur. On pourrait le faire dans le condenseur, mais enfin bon. On va juste faire ça pour l'instant, ça va booster un peu. On va mettre un pipe. Et il faudrait mettre plus d'upgrade, il m'en faudrait donc 10 de plus. Je sais que j'ai des tuyaux, mais je sais pas où je les ai mis. Si, ils sont là. Il m'en faut qu'un. Si on met ça. Oh, bah dis donc, on voit plus rien là-dedans aussi. Comme ça. Il va m'en mettre là-dedans. Lui, il mange tout. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je mette quelques upgrades là-dedans. Il m'en faudrait 10. On va enlever ça pour pouvoir atteindre ça. On va en prendre un. Ok. Lui, il condense. Ok, bah tu vas me condenser. Ah oui, mais lui, il fait ça. Si j'enlève, il reste à 9000. Ok. Juste le temps qu'il m'en fasse. Un, puis deux, puis trois. Ça va aller plus vite. 19 et le modèle ça fait 20 normalement je devrais avoir mes deux du coup j'ai presque envie d'en faire 3 enfin bon ça va quand même beaucoup plus vite maintenant alors on remet ça là-dedans et c'est parti mon kiki si ça va plus vite beaucoup plus vite bah 2 fois plus vite en fait N1 on va laisser les deux autres se faire on va faire le condenseur suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'en avais pas beaucoup de la pile azulie, c'est bizarre. Je peux en demander au chien, hein, Marc. Hein. Ouais, c'est vrai. On peut demander au toutou de ramener ça. Hey, go. Oui, donc c'était quoi? Un condenseur de chaque côté, le machin en haut. Deux de chaque côté et un biniou au milieu. Again. 1, 2, 3, 4.
Et voilà. Ce qui devrait me permettre. Ouais. Ok, maintenant qu'on a un infuseur et qu'on a un capaciteur banque en modèle, je me demande si on peut. Donc on va enlever ça. On va récupérer tout ce qui était dedans. Ah non, on récupère rien évidemment. Faut que je vide des trucs là. Allez, vite. Allez. Oh. On va rien. On va récupérer ça aussi. Voilà. Est-ce qu'il est capable de me faire ça? Oui, en tout cas, ça devient plus rouge. Très très bien. Il fait les deux en même temps. Cool. Oh, bah c'est parfait. On n'a plus qu'à laisser tourner. Non, ça descend là. Ok. Alors on va interrompre ça 2 secondes. Voilà, là ça monte. Et voilà, le premier est arrivé. On va déjà poser ça et les câbles pour voir comment ça se goupille pendant que les autres se font. Formidable quand même. Hop là. Alors déjà, on en a deux de plus à poser. J'aurais dû prendre l'autre au passage, mais bon, j'ai oublié évidemment. Alors, le problème, ça va être les câbles. Parce que les câbles, il faut les poser devant. En même temps, ceux-là, ils ont l'avantage d'être petits. Non, juste le glider. Ah. Oh non. Ah. Si on descend comme ça. Et qu'on passe comme ça. Et que j'enlève le support comme ça. Après, normalement, on peut mettre la couleur qu'on veut. Et ça me paraît pas mal, ça. Voilà. Ça a l'air de se connecter. Ça, on peut le descendre comme ça. Ah oui, du coup, je vais pas pouvoir y aller. On ira par en dessous, c'est pas grave. Sur le côté, je peux faire pareil. Et on peut cacher une bonne partie dans les câbles. Et comme les câbles sont un peu petits, enfin, on peut mettre des espèces de covers. Ils sont prévus pour. Je sais pas trop comment on fait. Mais je vais trouver. Hein, il doit y avoir une logique. Je sais qu'on peut déjà. On peut au moins mettre un pied au moulin pour pas qu'il donne l'impression d'être dans le vide. Voilà. Ah oui, ça aussi, comme ça quand même. Hip. On est obligé de se mettre devant, ça c'est un peu galère. Mais enfin bon. Comme les câbles sont pas gigantesques, c'est raisonnable. Tong. 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 Voilà. Il manque plus que le dernier moulin. Bon, tout est connecté là. Ouais, alors on va descendre. Et on va rentrer. Par là. Alors faut que je fasse des téléporteurs là. J'en mets un en bas et un autre là-haut. Comme ça, on va arriver d'un clic, un saut, toc. Et on sera dedans. Et on pourra fermer. On n'aura pas besoin d'y accéder de l'extérieur de toute façon. Donc moi je dis que le câble il descend là. Touc. Et il va aller commencer à remplir. On va mettre des grosses batteries, comme ça on va être tranquille. Chaque fois que je m'en remettrai à mes abeilles. J'aurai du jus. On n'est peut-être pas obligé de le connecter de partout. Voilà, on va prendre la wrench. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est shift. Voilà. Et si on fait ça? Non. On peut pas cliquer là-dessus. Non. Bon, on peut pas. Bizarre. Si je prends électrique, normalement ça marche. Ah, c'est peut-être parce que elle. Non, comment on fait? Voilà, rouge. Voilà. Bon, faut s'habituer un peu aux outils, mais ça me paraît très bien cet engin-là. Donc, ça se remplit. Oh, ça se remplit vite même. Et ça fait pas mal d'énergie, ça. On va avoir 1 million de RF à une vitesse record. Et comme je compte tout remplir, hein, on arrivera au milieu, voilà, comme ça.
En fait, on va pas descendre au milieu, on va juste se mettre tout le tour ici et puis juste la ranger du haut. Ou deux rangées en haut. Voilà, quand on arrivera sur ce bloc que je vais mettre ici. Donc le bloc que je voudrais faire, ou plutôt les blocs, c'est cela, Traveler Anchor. Ça permet, on se met sur un, on saute en visant l'autre, un autre, et on se téléporte instantanément. Il y en a mis partout, Harry. Shift, pourquoi je peux pas faire... Ah, ça y est. Ça vaut quand même 10 361 AV. Pas donné, hein. Mais ce qui est bien, c'est Ender.io, tout est en AV, donc on peut garder un modèle. Faudra faire le chest, alchemical chest, là. Bon, pour faire ça, il faut ça, non, ça, non, ça. Des hirons, et des Ender Pearl. Hirons, petit patapon. Allez, vas-y, viens. Un, deux, trois, on va en faire 3 déjà, ça sera bien. On verra le reste plus tard. Et on met ça dans la Lœil Furnace. Ça c'est cuit. Touk, touk, touk. Yes! C'est parti mon kiki. Il y a d'autres choses à faire, hein, évidemment. Ouais, c'est très trop simple. Ça, j'en avais déjà fait, mais évidemment, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas gardé de modèle. Le blaireau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça, deux sables. Du sable, j'en ai là. Toudout. Et c'était quoi au milieu? On va y arriver. De la clé, évidemment. On va en faire qu'un. Hein. 8. Et puis on va le reproduire là-haut. C'est un petit peu long, mais je trouve quand même que c'est bien. Il faut que j'apprenne à garder un modèle de chaque truc. Parce que sinon, je vais arriver à rien. C'est tout l'intérêt de ce biniou. Ah oui, pendant qu'il fait ça, il fait pas le reste. Allez, un tout petit coup. Hop! Je peux pas. Stop! Bon, j'en ai beaucoup trop. On va lui recracher un peu. On va garder un stack et on va mettre 8 dans un coffre modèle. On va dire c'est celui-là le modèle. Pas du tout, c'est très nul de faire ça. J'en ferai un autre que je mettrai en dessous. Sinon je vais jamais les retrouver tant qu'on n'a pas d'apply et tout ça. Tellement de choses à faire. Donc on a dit pour faire ça, ah, il faut cuire cette chose-là. Ok. Eh ben cuit. Ah, mais attends, je suis en... Furnace only. Et on a dit qu'avec un diamant. Alors ça. Et ça. Ok. Ah oui, mais je vais en faire qu'un. J'en voulais plusieurs. Un, deux, trois, donc j'ai dit. Et puis les deux qu'il faudra remettre là-haut. Hop. Bah, il faut faire tout. On est obligé. Encore deux donc. Ok. C'est très bien. On va ranger ça. Et maintenant, bah ça doit être cuit bientôt. Et autour, c'était du fer, tout simplement. Ok. Moi, ça doit suffire. Alors, si on met ça là, et ça là, si je fais shift, tadam, hein? Non, évidemment, il manque du fer. Hop. Hop, visiblement, il manque pas que du fer, d'ailleurs. Si, ça, fallait le mettre là. Deux. Et trois. Parfait. Allons voir comment ça fonctionne. Donc, mon idée. Hop, si j'en mets un. Tout là-haut. Juste à l'entrée. C'est-à-dire là. L'autre, je le mets tout en bas. En même temps, ça sert à rien de le mettre là. Parce que c'est pas de lui que je vais me connecter. Ce serait plutôt le mettre au-dessus de la batterie. Comme ça. Et on peut pas poser. Si on peut. Voilà, ici. Normalement, si on marche là-dessus.
On est censé voir le truc, mais je ne vois rien du tout. Il est trop loin. Flûte. Il y a une distance maximum. Je la connais pas d'ailleurs. Voyons, si on mettait ça, on va le poser par terre. Ou alors il manque quelque chose. Faut mettre des batteries. Si, on le voit là. Eh mais l'autre, il est trop haut. Donc il me faut un intermédiaire. Hop. Donc ici, on peut pas le mettre. Oh, ma batterie! Oh non, elle garde son énergie, heureusement. Donc faut vraiment en mettre un intermédiaire. Je sais pas quelle est la distance, je crois que c'est 64 blocs, mais je suis pas certain. Ou alors il faut utiliser la baguette. Bon, imaginons qu'il soit là. Est-ce que je vois l'autre? Ah oui, on le voit. On va essayer un peu plus bas. Ouais, là on est trop bas. Ok, par contre on voit l'autre. Mais là-bas je le vois pas. Oui, mais c'est embêtant. Je vais essayer une espèce de baguette qu'on peut faire et qui sert à ça justement. Donc ici, ça serait pour arriver dans la pièce. Le problème c'est que si je le creuse, donc faut mieux que ce soit au-dessus. Ouais, c'est un peu bizarre comme ça, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Sauf que je peux pas arriver là, mais moi, au moins, je peux y arriver de l'extérieur quand j'aurai fermé ici. Bon, ça sera pas là, ça sera dans un bâtiment. Et là, tac, on saute et on arrive là. Il y a une baguette qui permet de voir les blocs qui sont plus loin. Je vais aller voir ce que c'est et on va essayer de se crafter ça. Staff of Travel, il est écrit. Staff of Travel. Staff. Staff Bastard. Bro, what that? Charged stuff, 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 stuff of traveling. That one. C'est la même chose. Quoi? Ah, c'est marrant. Ok. Donc, un vibrant cristal, un électristyle et un octadite. Ok, l'octadite s'étend de... Oh là là. Bah, il faut faire des vibrantes. Et pour en faire des petits nuggets, d'accord. Ok, le vibrant déjà, je m'en souviens déjà plus. Ça se fait avec ça qui se fait lui-même. Oh là là. Ok. Je vais faire tout ça. Pas de souci. Et hop. Il a commencé un truc là. Et voilà, Vibrantoloy. Et un octadite capacitor. Du coup, je vais garder le modèle et je vais en faire un autre. J'ai commencé à faire un coffre pour mettre tous les modèles. Alors, il arrête pas de me dire, fais des modèles, fais des modèles. N'oublie pas de garder le modèle. Alors, on va l'écouter. Mais non, Fais des c'est... modèles, fais des modèles. Voilà. Vous entendez? Il arrête pas de faire ça. Mais non, c'est cher ça, un octadite. Moi, je déteste pas. Te moque pas toi. Ah c'est 12 000, c'est le prix d'une batterie disons, en octadite. Wargla. Et voilà la petite boule vibrante. Un schmoldu et un octadite. Ouais, mon staff of traveling. Alors il paraît qu'en fait on peut se téléporter sans les téléporteurs avec ça. On va tester. C'est formidable. Se charge très vite. Ce qui est encore mieux. Alors, on vise un point et touc. Ah oui! Si je vise le bout du couloir, shift, clic. Ah ok, c'est shift, clic. On va pas très loin. Ah ouais, c'est une vingtaine de blocs. Que dalle. Bon, par exemple, si je suis en train de voler, ça arrive souvent. Et je veux me téléporter là-haut. Allez, avance, 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 avance. C'est marrant, ça, c'est resté chargé et tout le reste est déchargé. Ah, et on voit le machin au travers. Ok. Ah oui, du coup, je peux l'attraper de plus loin.
Imaginons que je sois en bas. Ah oui, cool. Ah, ça c'est bien. Mais là, du coup, je vois rien. J'en vois un autre ou pas? Je vois celui du bas. Ah oui, il est là. Ok. Ok, alors en visu, sans bloc, on peut pas aller très loin, mais on peut quand même. Mais par contre, on voit les blocs de très très loin, ce qui fait que je peux me balader dans ma base et me dire, tiens, je vais aller mettre un truc là-haut. Look. Ah non, il veut pas. Ah non, c'est parce que je fais shift. Faut pas faire shift. Voilà, ok, d'accord. Sinon, je suis à la limite. Ok, donc ça sert quand même. Parfait. C'est génial. Hop, on va se téléporter. Oh, c'est grandiose. C'est magique. Et cela, en fait, c'est juste pour se téléporter en sautant sur celui qu'on voit. On le regarde et tac. Ok, parfait. L'autre qui était trop loin, c'est génial. Hop, clic. Oh, grandiose. Je suis heureux. Vive la technologie. Hé. Bon, maintenant que les batteries sont en train de se fabriquer, j'ai donc les moulins qui fabriquent de l'énergie que j'utiliserai à distance avec un transceiver. Bref, on va le retrouver. On le fera après. Et là, je voulais commencer. Les abeilles, je me demande si le... Ça, c'est pas mal. Je voulais refaire le toit de toute façon du dernier étage. Là, ça me plaisait pas. Alors, on pourrait mettre ça, mais ça fait pas énorme. Les solaires de mécanisme. Par contre, ceux d'Extra Utility ont l'air bien, mais ils coûtent très très cher. Alors, déjà, un, c'est ce prix-là. On peut faire des blocs de diamants. Est-ce que c'est... Ils ont un AV. Par contre, les par 8, on peut en faire un. Ça paraît encore mieux. Ça doit faire 8 fois plus. Power multiplier 8. Et un comme ça, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on peut le prendre. Mais en fait, on peut pas. Hein. Il n'y a pas d'AV, mais par contre, ça en fait 64 comme ça quand même. C'est-à-dire 64 blocs de diamants. Je vais pas les avoir tout de suite. Bon, on a le droit à 10 de chaque, hein, donc, hein, bah oui. Alors j'avais demandé au chien de ramener des diamants. Il en a ramené un peu. Allez, allez! Here is the toutou. Alors je l'avais arrêté. Si on reset, quand on regarde la config, il n'y avait même plus de diamants là. Si je fais new filter. Hors dictionnaire. Alors, étoile. Diamond. Étoile. Il n'a pas l'air de le trouver. Valider. Ouais, c'est bon. Save. Il va nous trouver tout ce qui est diamant. Ok. Radius de 0 à 80. Ce que l'on doit être à 80. On est à 81. C'est parfait. Ok. Si je le remets en route. En vidant un petit peu ici. Start. Est-ce qu'il trouve d'abord des diamants? Oupa. Oui. Parfait. Avec ça, on peut faire pas grand-chose. Mais on peut quand même faire. Si, un petit peu. Ok. On va aller voir combien on peut en faire. Parce que j'aimerais alimenter toute la cuisine G-Industrie avec du solaire. Donc, je crois que je l'ai déjà dit, non? Je me répète. C'est la fatigue. Je travaille beaucoup en ce moment. J'ai plus trop le temps de faire des vidéos. C'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins. Mais là, ça va se calmer un peu, je crois. J'ai encore 2-3 trucs à faire la semaine prochaine. Puis après, je crois que ça va être plus calme. C'est toujours la crise, heureusement. Mais bon, il faut bien travailler un peu quand même. On pourrait donc en faire 8. 8, ça nous ferait un gros. Comme ça. Alors, ils ont un inconvénient, ces panneaux solaires, c'est qu'ils accumulent le jour. Et soit ils sont en mode accumulation, soit ils sont en mode je recrache. Ce qui est quand même assez moyen. Quartz, s'il vous plaît. Il n'y a pas de quartz. Si, il y en a un peu. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du quartz et de la redstone. Alors, il faut faire un détecteur de jour. Hein, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Un détecteur, light détecteur. Pourquoi il veut pas le mettre? Ah, il manque les fours. Ok. Oh.
quoi, c'est tout? It's a joke. Ah, mais j'ai plus de place là-dedans. Ouais. Allez, ça doit y faire. 8 fours. Toc. Ouais, je me suis pas trompé du premier coup. Enfin, presque. Allez, 8 machins comme ça. Donc. Oui. Et puis on va mettre ça autour d'un petit... Oh. Oh. That's a joke, man. Transfert node. Énergie, transfert node. Il n'y a pas une autre SIP. Il faut faire ça. Et ça... Non, mais c'est une blague. Il faut faire... Oh là là. Mais ça va manger toute ma redstone. J'en ai un peu quand même. On va ranger ça. On va tout mettre là. Très bien. Bon, allons-y. Courage, courage. Ouais, des nuggets et ça. Il y a des nuggets. Ah bah j'en ai plein en fait. Ah oui, j'avais mis dans le truc, c'est pour ça. Oh. Hop. Alors déjà deux comme ça. Ok, on les craft par 4. Ça commence bien. Oula. Et flèche vers le haut. Et l'autre c'était... Flèche vers le haut. Ah d'accord, donc il y en a un, je le garde. Ah, il m'en fallait deux. Ah, il faut en four plus. Oh là. Cet enfer. Ok. 3. Il y aura un truc de 3 qui va rester. Donc... C'est affreux ce truc. Et on fait ça par 3 aussi. Ok, d'accord, ok. Donc maintenant, on peut faire ça. Ouais, et c'est aussi par 3. Génial. Il va nous rester plein de cochonneries. Ok. Et maintenant, ça... Ah mais ça, c'est dans le QDS. Ah, il faut 4 transfert nodes. Ça, c'est des quoi? Item node, j'en ai pas fait, j'en ai combien, il m'en reste pas, non, non. J'en ai fait qu'un. Ok, il leur fallait des pipes, si je me souviens bien. Non, 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 non. Mais non. Yes. Ah bon, d'accord. On va en faire des comme ça avec des pipes noires. Donc il me faut un coffre et de la stone. Ok. Du coffre, je vais prendre du bois encore. Il en faut 4. On en fait qu'un. On en fait qu'un. Ok, il faut 4 coffres. Bon bah ok, j'ai du bois sur moi, ça sert à rien de prendre ça. C'est des crafts à rallonge un peu. Hein. Je veux pas dire. Hop. 1. 2, 3, 4. Ok. Donc, nous disions... Voilà. Ah oui, de la stone. Zut. Ah, mais il y en a un pour en faire 4. C'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait une brossette pour en faire 4. Si j'allais un petit peu moins vite. Avec une ender pearl au milieu. Ouais, bah c'est rentable, hein. Ouais. Ender Pearl, on n'en manque pas. Non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je craque. Ouais. Donc. Ender Pearl. Oh, je vais pas y arriver. Ender Pearl, redstone, stone, stone. Ok, d'accord, ok. Bon, j'ai un peu, je me suis un peu embrouillé. C'est pas dans le QDS, c'est évidemment là. Et c'est le reste qu'on fait dans le QDS. Non, c'est comme ça. Le machin comme ça au milieu. Et de l'or autour. Touk, 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 touk. Et ça marche.
J'aime bien le bruit de ce truc. On a l'impression d'une résonance électromagnétique avec l'end. C'est toute l'énergie de l'end qui, à travers une micro-faille, bref, dimensionnelle, se déverse dans le bloc. Et sous vos yeux ébahis, voici qu'apparaît le transfert note. C'était époustouflifiant. On le met au milieu de ça. Et nous avons un solar générateur. Et moi, je pense que ça doit faire pas mal d'énergie. On mettrait ça également avec. Alors, je ne sais pas comment on va faire, par exemple, pour le design. Ça va être, par contre, un peu plus costaud. Avec des batteries comme ça. Hein? What the... Il veut plus faire? Le monsieur est fâché. Ah non, c'est parce que j'ai mis les diamants là-dedans. Ouais, super. Il va se remettre après. J'ai cru qu'il était fâché. Je disais donc, avec des batteries, on va en prendre les deux là, comme histoire de se faire un petit peu plaisir. Et la cuisine, on pourrait la faire avec une dizaine de trucs comme ça. Ah, si, il faut autre chose. Autre chose de très important. J'allais partir direct. Senseo, non, ça c'est pour le café. Sensor. Alors, il y a celui de Minecraft, évidemment, le vanilla. Mais il y en a un chez Cœur Pépette. Donc lui, on pourra le cacher un peu. Where is he? Je sais qu'il y en a un. Bon, on va faire un truc. Carpette. Il n'existe plus. Il y en avait un avant. Oh, c'est pas cool. C'est quoi ces trucs-là? Teal? Teal? Carpenter Steel. Je me demande ce que c'est. Ça. Ah, Daylight Sensor. Voilà, je savais bien. Ok, un peu de verre. Oh, c'est facile. C'est très facile. Un peu de verre et des carpettes, évidemment. Et du verre, j'en ai pas. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel verre? Non. On est obligé de mettre du verre vanilla. Sérieux, quoi. Allez, on va en faire que 3. Hein. Mais il est moche le verre vanilla. Il sert que pour les recettes. Voilà. Où je l'ai mis ça? On va le ranger là-dedans. Ah bah il y en avait. Oh. Ouais, vivement apply. Voilà. Donc on a dit 3 carpépettes. Touc. 3 verres. Ça y est, j'ai appuyé sur R, tout s'est retrié dans mon truc comme je voulais pas. C'est pas grave. Touc. Ça nous fait un daylight sensor de carpépette qui peut prendre n'importe quelle apparence normalement. Normalement. Alors on peut faire avec de la redstone normale, mais on pourrait faire aussi quelques. Ce serait peut-être pas mal. On va ranger ça. On va ranger les trucs dont j'ai pas besoin pour l'instant. On va garder ça. On va acheter ça. Bon, on verra plus tard. On pourrait faire un petit peu de blue à l'œil. Alors, il faut des lingots. Donc, on va faire cuire un peu de silver. Non, c'était bon. Quoi? À l'œil? Non. Oh. On pourrait mettre tout, d'ailleurs. Ok. Alors, silver et blue machin, il va nous cuire ça, mais il paraît qu'il marche pas encore très bien, parce que Blue Power, il est tout neuf et qu'il est un peu buggé. Alors, on va peut-être faire quand même. Alors, surtout qu'on peut faire des façades et les mettre dedans, ce qui est peut-être mieux quand même. C'est plus mieux, surtout si on veut cacher ça avec la redstone à côté. Il y a peut-être moyen de faire des conduits façades. Ça a des AV ce truc-là? Ouais, ça en a et c'est pas cher. Alors, on va se faire un petit stack ou deux de conduits façade. Ouais. Voilà. Hop, on va le crafter. Hein? Mais non. Ah oui, parce que j'ai appuyé sur Shift. Ok. On va en faire un.
On va le reproduire dans la machine qui reproduit bien. Hop. Ça? Ouais, ça. Toc, toc. Non, ça c'est l'infuseur. Mais quel crétinus. Toc. Oh là 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 là. J'ai dit deux stacks. Bon, attends, on va garder ces deux stacks là et tout le reste. Touk. 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 Ça c'est bien. Ouais, mais on perd beaucoup parce qu'en fait, quand on recycle, on perd la moitié, hein. Mais enfin bon, on va dire que. Mais c'est pas fini. Alors, mon inventaire, faut vraiment que je le vide. On va jeter un peu ça pour l'instant. On n'a pas besoin. Voilà. Ah bah ça va mieux déjà. Parce que ces blocs façade. Mais ça suffit maintenant. Il faut les not painted. Donc il faut un peinteur. Non. Bon, alors U. Ah, painted, non. Faut un painter. Le problème, c'est je sais pas comment il s'appelle. On va faire Under You. On va bien trouver un panthère quelque part. Je le cherche. Je l'ai trouvé. Il s'appelle pas Painter, mais il s'appelle Painting Machine. Et oh bah ça va, c'est du tin, un peu de nether quartz, un diamant, oh là, on a pas de ça. On n'est pas gardé un petit peu. Non, bon ben, hein, on va en faire un peu. Ça en fait 16 d'un coup, donc c'est parfait. Donc ça, tac, 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 tac. Ok, maintenant. Bah, il va manquer du quoi. Oh, un basique. C'est le seul que j'ai pas gardé en modèle. Fait exprès. Bon, je fais ça. Ok, ce coup-ci, je le garde pour pouvoir le copier à volonté. Et donc, avec le petit que j'ai, ça va me le faire très vite. Ça, c'était là. Le... Ça, là, évidemment. En... Non. Un diamant, du tin. Non mais j'ai l'impression que c'est pas au bon endroit. Qu'est-ce que je regarde? Non, c'est en dessous. Mais il regarde avec les yeux de travers, c'est pas possible. Quartz, quartz, quartz. Ok. Ça c'est bien, les deux machins ils sont arrivés, dis donc. Et voilà, et ça c'est une machine électrique, n'est-ce pas? Peut-être pas d'ailleurs. Used to paint conduite façade, stairs, fence. On peut tout peindre. Gate, slab, cobblestone. Est-ce qu'il faut de l'électricité ou pas? Bon, on va le savoir très vite. On le met au milieu. Ah, ah oui, il faut de l'électricité. Ok. Donc. On va utiliser nos câbles qui sont pas très terribles, mais enfin bon. Dans cette cuisine-là, ça sera très bien. Donc, voilà, ça va se charger, c'est parfait. Donc il faut des pinceaux maintenant. Mais comme pinceau, on peut mettre un bloc, je crois. Alors imaginons que nous voulions mettre un bloc de chisel. Un bloc comme ça, par exemple. Imaginons. Nous mettrions une façade, n'est-ce pas? Avec ça. Et... Ah... Oh. Terrible, Johnson. Alors, normalement, on met la façade d'abord. Et c'est une façade exactement comme une autre. Sauf que quand on prend ça, et on la voit qui disparaît. Oh. Terrible. On met... Oh ouais. Génial. C'est absolument génial. J'ai donc une façade conduite. Et ça bouffe même pas le truc. Est-ce qu'on peut le repeindre éventuellement? Je sais pas. On va peut-être pas en faire trop. Allez, toc.
Alors, 32 comme ça. Et je vais peut-être en faire des comme ça. Comme j'avais dit, je voulais mettre sous les pieds des trucs. Il y en a donc, il y en a 9. Alors, 7, 8, 9. On va les faire. Alors, faut enlever le câble, mettre ça et mettre le câble à l'intérieur. Je crois. Peut-être qu'on peut le mettre après. Donc, je me demande. Ah! Oh, il y a encore le glider. Oh, dès qu'il y a le glider et qu'on va en baissant, ça, on tombe comme une crotte. Alors, je me demandais si on pouvait les mettre après, s'il faut mettre le câble avant. Si je fais ça. Ah non, on peut mettre après. Parfait. Ben voilà, comme ça on n'a plus l'impression qu'il flotte. Touc, touc, touc. Oh, terrible. Bon, ok, il y a les câbles à l'extérieur, mais là je peux pas faire autrement quoi. Et puis si on met des covers partout, ça va pas être beau. Ils sont petits ces câbles, ils sont pas trop dérangeants. Ce que je voulais pas, c'est avoir les moulins qui volent. Hein? J'en ai pas assez? 9, c'était pas assez. Comment j'ai fait mon compte? Ah oui, parce que j'ai oublié cela. Moi, je en ferai d'autres après. Mais en tout cas, c'est bien. C'est très bien même. On a les moulins posés sur quelque chose. Ouais. Les moulinots, les moulinots. Alors maintenant, la maison des abeilles. Donc je disais un moulin comme ça. Ah, j'ai oublié de faire la redstone. Bon, c'est pas grave, on va la faire après. De toute façon, j'aime pas le toit, donc je vais le revoir complètement. Est-ce que le plafond ici... là j'avais mis déjà des espèces de covers par-dessus ça. On va tout revoir. On a deux. Donc moi je me disais qu'on pouvait mettre... On va enlever le milieu là. Des panneaux solaires comme ça. Ça fait du bruit? Ça fait du bruit des panneaux solaires. Bon, ok. C'est nouveau. Les panneaux solaires font du bruit. Et on mettait un light sensor là. Ok. Quand il fait jour, ça envoie un signal de redstone. Power level, c'est 200. Disons, c'est des RF. 200 RF par panneau, on en met 10, ça fait 2000 RF. Waouh, c'est la fête. Bon, c'est un peu cher. Mais quand même. Il n'y a rien pour lui dire. Ah, c'est si on envoie un signal de redstone, ça s'arrête. Bah du coup, il faut que j'aille refaire des les petits câbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pile poil. Presque. Il en faudrait 11. Mais on va pas tricher, on a dit qu'on avait droit qu'à 10. Et là, je mettrai... Ah mais du coup j'ai pris ces quatre, c'est ceux-là, ça va pas alors. Sauf si on fait pas ce toit-là du tout. Bon alors admettons qu'on mettrait ceux-là, je verrai après pour le look du toit. Je veux juste tester. Donc on met des façades comme ça et je mettrai les câbles dedans. Je fais un câble de redstone qui dit quand il y a de la lumière. Il faudra peut-être mettre un inverseur. Une not get ici. Ouais. On va essayer. Du silicone et de la redstone. Du silicone et de la redstone. Ça nous fait des redstone conduits de chez Ender.io qui vont bien dans les façades. Ouais, il a l'air d'accepter. Et au cas où... De toute façon, on a toujours ceux-là qu'on va quand même utiliser. Il n'a pas fini encore. C'est bien, ça va me faire de la place dans mes coffres. Allez, vas-y. Roulez. Et comment on fait une nut get? Parce que du coup, si je mets... Non, il n'y a pas besoin. Alors si, le jour... Non, si, si. Faut une nut get. Nut gate. Voilà. Oh. Oh. Alors, déjà, la cathode. Bon, ok. Un truc comme ça. Trois trucs comme ça pour celui-là. Et un pour ça. Alors attends. Un, trois et trois, six. Un, six et six, douze et un treize. Treize, machin, comme ça.
De la stone qu'on fait cuire, donc je sais pas, 7, ça fera 14. Ça devrait aller. Ah bah ça les fait par 3 en plus. C'est parfait. Donc 2 anodes. Quoi, c'est les mêmes? Non, 3 anodes. Ok, bah ça les fait par 3, c'est parfait. Une comme ça. Et 4 comme. Et ça. Ok, mais ça, il me manque une torche. Of redstone, je crois que c'est dans le sac jaune. La dernière fois que je les ai vues, elles étaient par là. Elles y étaient. Elles n'y sont plus. Elles ont. J'en ai plein, mais je sais que j'en ai en plus. Là-haut, peut-être. Je cherche. Ah si, là. Parce qu'il y a des moments où j'en ai marre de mon inventaire et je me vide n'importe où. Je fais comme Chenchi. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, il me faut. Hop. Ok. Tac. 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 One. Et. Hop. Voilà. Une nugget. On est les plus forts. Ouais. Ok. Nugget. Ça range. Ça aussi. Et on est bon avec ces trucs-là. Je crois qu'il faut les mettre comme ça. Par 3, non? Ouais. Ok, bah allez. Au diable l'avarice. Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Aïe! Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On va les ranger là-dedans. Eh! Voilà, on y retourne. Ah non, avant, j'ai fait des comme ça. On sait jamais. Au passage, je récupère ça. Merci. Hop, je peux spouter le dernier moulin là-dessus. On va le cacher avec. Ah ben non, j'en ai pas refait cela. Oh, crétin. J'ai les autres, c'est pas grave. Et les abeilles, on va voir quel câble se connecte le mieux. Alors déjà, il y aura la nugget. Déjà, on va voir si elle marche, celle-là. Hey, Blue Power quand même, comme je disais, c'est un peu encore. Un tout petit peu n'importe nawak encore. Donc là, il n'émet pas. Donc ça émet un signal de redstone. Ce signal de redstone. Ah, ça fait 48 la nuit quand même. C'est pas mal. Ce signal de redstone devrait permettre à la batterie de. Enfin, au truc de se vider. Donc là, si je mets ça. Comment on sait si ça se connecte? On ne sait pas. Si, ça a l'air d'être rouge. Donc on dirait qu'il y a un signal. Mais est-ce que c'est connecté à ça? Pour que ce soit connecté, il faudrait que ça arrête de charger. Et ok, on n'a rien pour le décharger. Super! Donc. Si on met une batterie en dessous. Et que cette batterie, je lui ai dit le dessus, c'est l'input. Ben il l'a vu. Il l'a vu. Et il se passe rien. Mais alors, rien d'étonnant. Pourquoi, docteur? Pourquoi? Il sort des RF. Lui, il stocke des RF. Ça devrait être bon. Input. Input, input, output. Non, c'est bon, input. Input au-dessus. Et lui, ah bah lui, il charge plus parce qu'il est plein. Oui, mais là, c'est le jour. Alors, si je prends la wrench en main. Oh. Et pour qu'il voit la redstone, faut peut-être lui dire comme ça. Ok. Et là, ça s'est éteint. Mais est-ce que ça, c'est connecté? C'est pas sûr. Alors, j'ai envie d'enlever ça. D'accord. On peut enlever la texture sans enlever le câble en se démerdant bien. Et on va essayer avec ces câbles-là. Qui donnent la sensation de se connecter, mais qui n'ont pas l'air de se connecter à ça. Embêtant.
très embêtant. Comment vais-je faire? Attends, faut attendre la nuit pour tester. Est-ce qu'on a un moyen de savoir quand quelque chose passe là-dedans ou pas? J'ai pas l'impression. Puis ça, j'ai même pas l'impression que ça se connecte non plus à ça. Ou alors c'est devenu automatique, ça, il n'y a plus besoin de redstone? Non, ça c'est... Charging, appli redstone signal to transmit énergie. Bah ouais, c'est bien ça. Donc je voudrais que la nuit, ça remplisse la batterie. Ça fonctionne. Il capte et ça s'éteint. Le truc se charge le jour. Ouais, mais si j'ai rien pour... Si on met de la redstone normale, ça va être moche. Bon, faut que je réfléchisse à ça pour la prochaine fois. Toute façon, on va se retrouver sur le live. Et j'écouterai vos suggestions sur le live du vendredi soir. Et puis on va voir. Parce qu'il faut quand même trouver un moyen de charger une grosse batterie comme ça. Ça serait bien. Et on se fait un gros plafond en bleu. C'est très moche. Mais bon. Ça permettrait d'avoir de l'énergie qu'on fait passer dans le bois, là, tiens, par exemple. On descend même jusqu'à la cave et on le récupère par le sous-sol ici pour alimenter nos machines. Par en dessous, ces blocs-là, par exemple. Moi, j'ai pas encore creusé la cave. Donc là, maintenant, il y a des travaux à faire. On a fait pas mal d'outils. Reste ce problème d'énergie solaire, là, faut que j'arrive à le résoudre. Je sais qu'avec Imibis, ça serait déjà résolu, mais là... En tout cas, ça fait pas mal d'énergie quand même. Pourquoi il augmente le power level? Quand il est en plein soleil, ça augmente. Peut-être. À voir. Bon, je surveille ça. J'essaie de comprendre comment je peux faire. Entre le Blue Alloy et ça qui se connecte pas, ça va être embêtant quand même. On va voir. Bon, sur ce, je vous dis... À la prochaine, allez, à bientôt. Une petite séquence pour vous dire qu'avec des câbles insulated, ça se connecte très très bien au solar générateur qui du coup se vide dans le BNU. Voilà. Et mes 500 000 RF vont rentrer là-dedans. Il y a déjà 150 000. Donc chaque nuit, ça va se vider. Chaque jour, ça va se remplir. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à rajouter des solar panels au-dessus des batteries. J'en ai déjà mis un deuxième bloc. Bon, faut que tout ça se reproduise. Parce que quand même, c'est pas donné, hein, les solar panels. Mais ça en fait quand même pas mal. Voilà, 500 000 par jour qui tombent. Qui vont donc grossir cette batterie. Bon, pour l'instant, 10 millions. Mais en fait, on peut... J'ai tout le dessous, là. Je peux faire un truc... Donc comme ça, quand je me servirai de mes machines à abeilles de Gendustrie qui bouffent de la mort qui tue, elles bouffent comme 5, hein. Ah ouais, quand même, faut le dire. Voilà, j'ai plus qu'à se faire un câble qui sort de la batterie là-dedans, le cacher dans du bois. On fera ça pendant le live, comme j'ai dit. Donc à tout à l'heure.